Édifié à Batalha pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385, le monastère des Dominicains de Batalha fut pendant deux siècles le grand chantier de la monarchie portugaise où se développa un style gothique national original, profondément influencé par l'art manuélin, comme le montre le cloître royal, véritable chef-d'œuvre. En France, à Paris, il y a l'Arc de Triomphe et sa flamme éternelle à la mémoire du soldat inconnu qui y est inhumé, rappelant aux vivants ceux qui par le passé sont morts pour défendre notre pays. Au Portugal, le monument choisi pour ce rappel n'est autre que le glorieux monastère de Batalha, qui célèbre déjà lui-même la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota. C'est en se promenant dans le cloître royal du roi Jean Ier du Portugal que l'on découvre la salle du chapitre, toujours gardée par des militaires. À l'intérieur, gardant le tombeau, deux soldats ne bougeant pas d'un poil gardent la mémoire de deux des leurs tombés sur le front. J'ai eu la chance d'être présent à la relève de la garde. Yeah.
Primavera.